Et salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi hada al video aljadid. Donc on a les positions d'un mobile, sachant que l'intervalle de temps entre deux positions successives dans les trois trajectoires est 4 secondes. Donc l'idée est de واحد لي بوزيسيون واحد المواضيع ولكن قال لي هنايا بين موضع وموضع entre deux positions successives يعني بمواضعين متتاليين راه il y a 4 secondes يعني هذاك الموبيل a traversé entre deux positions successives 4 en 4 secondes à la distance, à 4 secondes, à 2, à 3, à 4 secondes, etc. Donc, dans tous les trois situations. Donc, ce L ou l'olidat, donner les types de trajectoires. Donc, donner les types de trajectoires. Ou l'haja, les trajectoires, mais ou à noadiel, le masar, ou ما هي طبيعة هذا المسار donner le type de chaque mouvement واش uniforme accéléré retardé la troisième question c'est calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 à 3 dans la trajectoire 1 en mètres par seconde et en kilomètres par heure la quatrième question c'est calculer la vitesse calculer la vitesse moyenne entre les positions A3 à A4 dans la trajectoire 2, bien sûr en mètres par seconde et en kilomètres par heure. Et cinquièmement, calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 à A4 dans trajectoire 3. En mètres par seconde et kilomètres par heure. Donc le lead work full video. ونزلت من نرجعو للتصحيح دونك الوليدات نرجعو للتصحيح دونك كتلاحظوا معايا A1 A2 A3 A4 سوسون دي بوان اليني يعني واحد النقاط مستقيميه يعني ابارتيان ميم ميم دروات دونك اون دي كو لا تراجيكتوار ولا لي تراجيكتوار دون لي تروا سيتوياسيون دونك est rectiligne. Donc la trajectoire est rectiligne. Ok. Donc les trois trajectoires sont rectilignes. Donc le leader donne le type de chaque mouvement. Donc ça c'est 5 mètres. Donc là entre deux carreaux. Le petit carreau là qui est à 5 mètres. Donc, la distance A1 à 2, la distance A2 à 3, la distance A3 à 4. Donc, تلاحظوا هنا المسافات تقريبا راه كيتساواو اذا لاحظوا معايا هنا دونك A1 A2 راه كتساوي لي A2 A3 دونك هنا on dit que le mouvement est uniforme في لا تراجيكتوار pour la trajectoire 2 دونك لاحظوا معايا هنا A1 A2 هي كتولي A2 A3 كبر منها A3 A4 دونك on dit que le mouvement ici est accéléré donc mouvement accéléré et pour la troisième trajectoire donc voilà les distances parcourues en même durée donc diminuent les distances donc on dit que le mouvement est retardé ou là donc on dit retardé ou décéléré on peut dire aussi c'est ralenti donc les types de mouvement donc les trois trajectoires pour les trois donc lui pour la trajectoire un mouvement uniforme plus exactement c'est rectiligne uniforme pour trajectoire 2 donc c'est mouvement rectiligne accéléré pour la trajectoire 3 c'est mouvement rectiligne retardé donc lui voilà donc
rectiligne retardée. Et la question numéro 3, calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 à 3. Donc le lead date A1 à 3. Donc A1 est 5 mètres. Donc deux carrosses rares à 5 mètres. Donc le lead date A1 à 3. Donc là, il y a deux carreaux là, il y a 5 mètres. Voilà deux carreaux 5 mètres. D'autres carreaux, donc c'est 10. D'autres carreaux, donc à tout l'éna, c'est 15 et 20. Donc d'autres carreaux. Donc, quand je juge carreaux, 3 ferrum, 5 mètres. Donc, Alka, c'est 20 mètres. Donc, A1 à 3. Donc, le massif A1 à 3, le leader. Donc, A1 à 3, là, il y a 20 mètres. Bien sûr, la durée. Donc la durée, entre deux points successifs, on a 4 secondes. Donc, on a 4 secondes, on a 4 secondes. Donc, le temps A1 à 3, donc 4 fois 2, donc c'est 8 secondes. Donc, l'idée est là, donc c'est 8 secondes. Au A1 à 3, donc la distance, donc c'est 20 mètres. Elle a 8 secondes. On a donc le lead date à nos jets juge virgule donc 2,5 mètres par seconde. Donc le lead date galia hsebha bel kilomètre par heure. Donc kilomètre par kandrouf 3,5 donc 3,6 pardon. Donc 2,5 fois 3,6 bien sûr elle aura il y a 5 kilomètres donc 9 km par heure. Voilà le lead. Donc, on passe question numéro 4. Donc, calculer la vitesse moyenne entre position A3 à 4 dans la trajectoire de donc A1 à 3. Donc, la vitesse, donc ça c'est la distance A3 à 4. Au binetum, bien sûr, le temps 4 secondes entre deux positions successives à 4 secondes. On chauffe à 3 à 4. Donc là, bien sûr, un petit carreau 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, il a la jauge. Donc il a la jauge. Il y a 3. Donc 3. Donc 3 fois 5, il a 15 mètres. Donc, le juge carreau, il y a 15 mètres. Donc, c'est 15 mètres. Donc, l'idée de 15 mètres, elle a 4 secondes, il y a 3,75 mètres par seconde. On a le mètre par kilomètre par heure, on drop 3,6. Donc, à 3, 75 fois 3,6, il donnera t'atteindre 13,5 km par heure. Kilomètres par heure. Donc, ce L, calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 à 4. Donc, A1 à 4, pour la trajectoire 3 mètres par seconde, donc A1 à 4. Donc l'idée de la distance, c'est que nous avons un carreau petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12, la somme de la jauge, attendez, 6. Donc 6 fois 5 mètres, donc il y a 30 mètres. Donc la distance, donc voilà, donc la vitesse, c'est la distance A1 à 4, elle a. شحال عندنا من بوان هنايا من طبيعة الحال كاين عندنا من A1 ل A2 دونك فوالا هنا راه قطعها في 4 سكوند هنا 4 سكوند هنا 4 سكوند عندنا 3 4 سكوند سي 12 دونك سي 12 سكوند وحسبنا هنايا دونك سي 6 دونك 6 فوا 30 هي 6 فوا 5 متر دونك سي 30 متر على
12 secondes ou كنحسبها هي 2,5 متر بار سكوند. دونك الوليدات هذه غنضربها في 3,6 باش تعطيني الكيلو متر بار سكوند اللي غنلقاها تقريبا هي 9 كيلومتر بار اور. دونك الوليدات هنايا كاين. دونك إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء.